De la team Sexav et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Bon, je sais, aujourd'hui c'était prévu une vidéo sur Rock, mais au final, elle sera là demain, n'ayez crainte. Donc, aujourd'hui au programme, on va aller visiter un petit peu la map, car il y a eu énormément, mais vraiment énormément de changements, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui aussi, à part aller visiter? Bah, on va build, les gars, on va construire une maison médiévale, à une architecture signée Bibi. Okay. Donc, si vous voulez utiliser cette petite, enfin, cette grande maison, et ben, faites-le, no problemo, de toute façon, tout est indiqué, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est juste si vous l'utilisez, dites-moi dans les commentaires, et puis à la limite rejoignez mon Discord, envoyez-moi un petit screenshot de l'endroit où vous l'avez placé, comme ça pourrait être vachement cool de voir un petit peu ce que vous savez faire. Donc là on est dans ma petite maison secondaire, quoi, c'est ma résidence, on va aller visiter rapido, il y a là, une petite bibliothèque, en haut c'est un fourre-tout, un grenier, quoi. Ici bah, on a la vue qui mène sur la caserne. Sinon, bah voilà, un petit peu de déco, on a le lit, on a tout ça, hein, puis voilà. Ici, on a une table pour écrire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle petite cuisine ici, pour cuisiner, enfin, pour se faire des bons petits plats bien sympas. Et bah nous, ce qu'on va faire déjà d'une, c'est de sortir ici, et si vous voulez, on peut même se mettre auprès du feu de camp, manger des marshmallows grillés, on se racontant des histoires. Et tout ça, c'est faisable. Donc, en avançant un petit peu, ce qu'on peut voir dans les nouveautés, c'est que maintenant, nous avons un atelier d'armes de siège. Donc, dans cet atelier, on peut voir, ils ont même des noms sympas. Donc, atelier d'armes de siège, ne pas entrer. Donc, c'est pas ici que j'ai vu des noms sympas. Mais en tout cas, on peut voir hein, l'atelier d'assemblage, c'est bien sympa. Une petite catapulte ici. Quand on visite double porte, et oui, fortification militaire oblige, on peut voir la petite forge qui sert à construire tout ça. Et puis là, on peut même rentrer dans les remparts. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, hop. On arrive là, on peut même monter dans les remparts, donc on a vraiment tout prévu. Hein. Et voilà, donc voilà les gars, c'est une place forte, vu que c'est un endroit militaire stratégique, donc normal qu'il y ait des remparts. Donc on va aller faire un tour au centre-ville, parce que oui, on peut voir que le centre-ville a pas mal bougé. Je vous présente plus hein, de l'autre côté, là où on a nos maisons, on s'en sert plus, entre guillemets, on s'en sert plus. Enfin, c'est pas là-bas où il va y avoir le gros de la construction, le gros de la construction est en train de se faire gentiment ici. Donc on peut voir, ah oui, il y a une autre tour qui a été faite là-bas, vous voyez, on a celle qui avait été faite juste au haut de la montagne, on l'avait déjà vue en vidéo, et hier j'ai fabriqué celle-ci, que je trouvais bien sympa, et je trouvais ça sympa de mettre ça, voilà, c'est sympa, trois fois, oh. J'ai fabriqué un petit puits hier, et oui, parce que une forge, qui est juste ici, on a une forge, et une forge sans puits, donc sans eau, ça n'allait pas, donc du coup j'ai fabriqué un puits, donc là bien sûr, les chaudrons vont ici. Et bah bien sûr, bah, nous avons une chaudronnerie. De toute façon, on n'a pas besoin de mettre de panneaux. On en a un juste ici. La chaudronnerie hein, qu'on peut voir juste là, qui vend des chaudrons. Normal. Bah oui. Je vous fais pas un grand dessin. De toute façon, je pense que vous avez deviné, les gars. Hein. Alors, ok, on va sortir. Donc, vous vous souvenez, on avait fait chez Gaston, le commerce nutritionnel. Nous avons notre beau resto ici. Petite maison ici, bah oui bien sûr, il faut bien que le gars de la chaudronnerie dorme. Et je l'ai toujours pas habillé cette maison. Je l'ai toujours pas habillé, enfin voilà. Et ça commence à ressembler à quelque chose, hein, ce petit centre-bourg médiéval. Ok, donc maintenant, nous, on va aller se focus. Ah oui, j'ai oublié, j'ai failli oublier. Nous avons un maréchal ferrant juste là, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai oublié de vous... J'ai failli oublier de vous le dire. Hop, allez, vol, vol, mon petit, vol. On a un moulin là-bas, on a un moulin. Vous voyez, c'est la tour de guet que je vous parlais tout à l'heure. Elle est juste là, et la tour de garde là-bas. Enfin, c'est deux tours de guet, une tour lumineuse. Donc là, vous voyez, hein, la déco commence à avancer gentiment. Ma caserne est terminée, ma caserne est terminée. Ça, c'est plutôt cool. On a fabriqué un moulin, et oui, place à l'agriculture, c'est important. Le moulin gars, il me semble. C'est Gérarus qui l'appelait. Moi, je me dénie de toute responsabilité sur les noms de chaque bâtiment. La tour de guet, c'est la tour du guet. No, God! Donc voilà, c'est pas moi qui ai décidé les noms. Et chacun décide comme il veut, on peut voir juste ici. Hop, culture, c'est là-bas. C'est là où on apprend, on cultive des choses. La tour du guet qui est là-haut. Et enfin voilà, hein, je vous refais pas le dessin passage du gouffre, etc. Ça peut paraître bien avancé, mais on est vraiment loin d'être avancé. Ah oui, ici, on a le petit magasin de vêtements qui passe au-dessus on voit le débarcadère, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Le château là-bas que je ne présente plus. Bon, allez, hé, arrêtons de parler et plutôt allons construire. Vous voyez, j'ai changé un petit peu. Ah oui, bah, on continue de parler, c'est normal. Ça fait 5 minutes de vidéo. J'ai changé l'architecture un petit peu. Au lieu de mettre de la laine grise, gris clair,
qui rendait plutôt sympa pour le colombage. J'ai plutôt décidé de faire du colombage avec de l'argile blanche et des arbres, enfin des troncs. Donc voilà, là j'ai. Ça, c'est la nouvelle maison qu'on va construire aujourd'hui. J'ai déjà fait une première ébauche. Bah oui, je voulais pas me planter en vidéo, hein, ce serait tellement dommage. Donc j'ai fait un premier pan de mur. Et bah, n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. À la limite, hop, on va se mettre comme ceci. Vous voyez, les bases sont de. Alors c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, on est sur du 9. Et 2, 4, 6, 8, 9. On est. C'est un carré de 9 sur 9. Et le but du jeu, bah, ça va être de l'étendre de deux cases ici, hop, et de faire notre bâtiment. Et bah écoutez, moi les gars, j'ai envie de vous dire, c'est parti, hop, on va commencer le build comme ceci. On va y mettre une petite fenêtre ici. Là, ça va être une porte. Donc là, on va venir fermer comme ça. Ok. Donc là, on va venir remplir. Tac, tac. Hop. Moi, ce que je vous propose, à la limite, c'est pendant que je construis ça. On se fait un petit accéléré et on regarde le résultat final. Si vous avez des questions, si vous avez vraiment des questions que vous voulez reproduire ce bâtiment, eh ben n'hésitez pas à me contacter déjà, soit en commentaire et à rejoindre le Discord tout simplement où là vous pourrez me MP. Donc bah c'est parti, hein. Let's go les gars. Thank you.
Bon, re les amis. Alors du coup, je vous ai fait plutôt cette vidéo en accéléré parce que sinon, ça aurait duré genre 40 minutes. Alors du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré. Bon, j'ai eu quelques petites mésaventures, vous avez pu voir sur le timelapse, mais c'est pas bien grave. En tout cas, on a l'ossature de la maison. Bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir bah, la décorer. On va venir décorer cette petite maison parce que bah, c'est hyper important. Donc du coup, on va prendre un petit peu de fleurs. On va prendre quoi? Tiens, des tulipes oranges. On va prendre des petites tulipes oranges. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? On va prendre, pour l'instant, on va prendre un pupitre. Il va nous falloir une table d'enchantement plus tard. Ok, alors, déjà, on va mettre une petite fleur ici. On va mettre un lit là-bas. Mais d'abord, on va mettre le pupitre. Ensuite, on va venir chercher un petit lit tranquillou. Et après, bon, la déco, vous la faites à votre guise, les gars. Hein. Vous faites vraiment la déco comme bon vous semble. Parce que bah, c'est votre maison, c'est vous qui voulez faire des trucs comme ça. Donc, c'est vos goûts, etc. Donc, hop, une petite lanterne. Je suis perdu du coup parce que maintenant, j'avais mis mon jeu en anglais pour les matériaux. Parce que j'ai regardé quelques petits tutos, bien sûr, avant. Et j'ai regardé ces tutoriels et justement tout était en anglais. J'avais mis mon jeu en anglais sauf que bah, je me suis habitué au nom des objets en anglais donc c'est pas évident. Alors là on n'est pas trop mal ma foi. Et bah, ensuite ouais je vais pas faire non plus 10 000 décos mais après c'est comme je l'ai dit vous faites comme bon vous semble. Et hop ici on va venir mettre une petite lanterne là. On va venir en mettre une juste là. On va venir chercher à la place du lit. Voilà. Alors. On va venir la mettre juste bah là, elle est bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, un petit cadre. Il n'y a pas grande place sur les murs pour mettre des cadres. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Tiens, bah on va mettre le blason de la ville. On peut mettre que ça. Ok. Ouais, ça va. Hop, oula. Ah ouais, d'accord. Ça prend comme ça. Ok. Hop, ici, on va le mettre en rouge. Ce serait pas mal. Voilà. Ici, ah ouais, ça met des grands cadres. Ok. Alors, ici, je peux en mettre un. Est-ce qu'il y en a un pour deux? Mais non. Non, il veut pas. Ah si, le rouge. Ok. Donc voilà, les amis. En bas, ce qu'on va venir faire, déjà, en première chose, c'est qu'on va mettre une cloche dehors, pardon. On va mettre une petite cloche ici, avec une lanterne. Ah ouais, il faudrait que je fasse quelque chose dehors. Bon. Là, on n'est pas trop mal. Une porte, bien sûr. Il nous faut une porte. Si on n'a pas de porte, on peut aller nulle part. Hop, la petite porte. On va prendre une porte en chaîne ici. Hop. On va venir l'appliquer ici. Voilà. Et en bas, on va tout simplement se faire une petite cuisine. Donc, il me semble que là. Non, c'est à l'extérieur. Je peux pas mettre de cheminée, c'est bien dommage. Mais en tout cas, on va venir mettre. Hop, on va regarder. Il nous fallait une boîte de shulker comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne celle-là? Voilà. On va venir mettre ça ici. Ça nous fera un petit établi. On va venir mettre un pupitre. Ça nous fait une cuisine aménagée. Qu'est-ce qu'on va venir mettre d'autre? Il nous faudrait un four. Je vais mettre four. Un petit four. Alors, ici, on a un autre haut fourneau et un entonnoir. Non, un chaudron, pardon. On va mettre un chaudron. Eh oui. Voilà, comme ça. Donc là, on va venir mettre le chaudron ici, un haut fourneau et un fourneau. Et bah, l'affaire est jouée. Hein. Hop. On va mettre ça ici. Une petite lumière, une petite lumière. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal. On va se mettre une lumière juste dans l'escalier là. Et on aura fini pour cette maison. J'ai plus qu'à relier la route par la suite, à relier la petite ruelle ici, à l'emmener là. Mais en tout cas, hop, on va reculer un petit peu. Et voici ce que ça donne de loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bientôt, il va y avoir des belles petites cinématiques qui vont arriver sur le serveur. Donc, ça va être plutôt sympa. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc, si je ne me trompe pas, la prochaine vidéo Minecraft, c'est dimanche. Donc, restez informés. Et sinon, bah. Ciao, bye bye, abonnez-vous.